Donc voilà un peu la méditation que je fais de temps en temps dans des endroits un peu où j'aime bien. Ici, j'étais bien et j'avais envie de faire quelques petites minutes de méditation, de prière pour tous les gens du monde entier surtout. Et je savais que c'est vraiment, vraiment bien et bon de se recueillir un peu comme ça et de. Ce moment-là est à moi. Il faut que vous aussi, vous ayez de temps en temps des minutes, même une minute à vous, ici, dans un endroit, ici ou ailleurs, ou chez vous, n'importe où. Mais se recueillir tranquillement, tranquillement, remonter les batteries. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable, agréable. Malgré que, vous voyez, c'est malgré qu'ils travaillent. La maçonnerie là-bas, qu'on entend des marteaux, qu'on entend des planches qui tombent, qu'on entend tout ça. C'est aussi ça la méditation, c'est être à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de moi, autour de nous. Mais surtout, le plus important, c'est de se sentir bien. Là, c'est quelques minutes où j'étais vraiment bien, même très bien. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de faire de la méditation et qu'on fait et qu'on pratique, quand on sort de la méditation, c'est un peu énervant, malgré que c'est le zen, bien sûr, la méditation c'est le zen. Quand je dis énervant, ça veut dire qu'on n'a pas trop envie de sortir de la méditation. Parce qu'on est dans une atmosphère où on est bien. Et quand on est bien quelque part et on est bien dans un endroit, ben, quand on en sort, c'est un peu difficile. Et là, bon, j'étais un peu obligé un peu de partir de cette méditation pour faire un autre live sur un autre sujet. Et on va aller un peu se promener dans cette forêt et on va aller au temple éléphant. C'est magnifique, je suis vraiment, vraiment bien là. Le lac, les poissons, il y a tout ce qu'il faut pour être vraiment bien. Allez, on y va parce que sinon, je reste là pendant encore quelques heures. Allez, je vous fais de gros bisous. C'était mes moments de méditation avec Eric Thailand. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.